salut. Mais non, je sais pas après, je vais jardiner. Tu fais quoi? Bon, on espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble sur la chaîne principale et ça faisait méga longtemps, non? Bah, il me semble, ouais. Ça fait quand même pas mal de temps. C'est une vidéo que vous nous demandez genre tous les jours. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire. C'est du slime. C'est ça, du slime. Et en fait, on en a jamais fait de notre vie. Il y a plein de trucs qui viennent de la petite épicerie. J'ai un code promo, je vous mettrai en barre d'infos. Bref, c'est parti, on va commencer maintenant. Ok, donc maintenant, on va faire le fluffy slime licorne. Lui, c'est celui qui me donne le plus envie. C'est vrai qu'il a l'air vachement sympa. En plus, on a un petit tuto. Ouais. Tout expliqué, comment faire. Ah bah, vaut mieux, on n'a jamais regardé. Ah bah oui. Non, mais on a regardé le final en fait, à quoi ça ressemble. C'est ça. Mais pas de tuto sur YouTube, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, c'est parti. On aura besoin, pour faire du slime, de mousse à raser. La mousse à raser. De la colle Cléopâtre. J'adore la colle Cléopâtre. Blanche. Oui, blanche. Pour ce slime-là, des cartouches d'encre. Là, on n'a pas besoin du borax. Ah. Pas pour celui-ci. Ah merde, du borax. Quel gland. Et du borax. Des bon, borax. Je me suis planté dans mes trucs. Et des paillettes, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas trop ce qu'on va foutre dedans à la fin, on verra bien. Ah oui, mais il y a des paillettes aussi, mon cœur. Oui, vraiment nul en tuto, t'as rien. Il y a un petit capuchon. On répartit de manière égale l'ensemble de la colle dans 3 bols distincts. Ajoute une cuillère d'eau dans chaque récipient. Bah, tu le fais à l'œil, quoi. Oh putain, mais j'allais y arriver. Ouah, trop bien. Quand je peux sniffer. Eh, ça se sniffe pas. Ah non, elle pue celle-là. On répartit. Ouais, on va dire qu'on a réparti la colle. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais faut faire les belles mettre. Il faut mettre un peu d'eau. Regarde, ils ont des cuillères. Il faut un peu d'eau. D'accord, je vais chercher un verre d'eau. Oh, celle-là, moi, elle me plaît pas. Pourquoi? Aïe, il y a les doigts. Il faut en mettre beaucoup. Alors, pas tant que ça, malheureusement. Tu auras besoin. Réparti de manière. Ajoute une cuillère d'eau dans chaque récipient. Ouais. Essaye de le faire bien. Mais tant pis, c'est un chimiste, il fait tout comme il faut, quoi. On a mis une cuillère d'eau. Ah, ensuite, l'encre. Perce le bout des cartouches d'encre. Comment on fait pour percer? Il nous faudrait une pique. On va chercher une pique. Ah, tu trouvais une pique, mon ami? J'ai pas trouvé de pique, j'ai trouvé une vis à placo. On va percer avec des vis à placo. Putain, il va en foutre de partout. Mais qu'est-ce que tu fais? Quel est le bleu, quel est sur quoi? Mais t'as mis les deux dans le même? Bah oui, c'était pour mélanger, mais je sais pas lequel est le même. Je pense que les deux sont le même. Il y en a un, il faut mettre tout. On est perdu. Puis 6 gouttes de bleu. Si, une goutte de rouge, 6 gouttes de bleu. Ok, une goutte de rouge ici. Hop, et toi 6 gouttes de 3. Je te sens pas du tout avec tes cartouches, j'ai l'impression. Et dans celui-ci, on va tout mettre. Bon, on a bien mélangé. Ensuite, ce qu'il faut faire. Presse la mousse à raser dans chaque bol afin de doubler la quantité de pâte. Par contre, tu fais très attention, tu y vas pas d'un coup d'un seul. Arrête! Moi aussi je vais le faire. Ah, on a doublé. Non, ou pas? Bah oui, là oui. Enfin, non, 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 trois fois, ça marche pas. Pas appuyé, mais. Bah, j'appuie. J'ai l'impression d'avoir 2 ans, c'est trop cool. Tu sais, les ateliers créatifs. Moi, c'est super bon. On dirait un genre de. Putain, j'ai goûté. Le fromage blanc. Ouais, grave. J'ai envie de le dévorer là. Carrément. Bah, chien avec notre cuillère. Faut mélanger de manière. Inopinée. Pas sûr. Oui, ils ont ça et après ils obtiennent ça, on n'a pas mis assez de mousse à raser. Hein. Tu veux qu'on en rajoute? Ouais. C'est moi qui fais ça, tu fais mal. Attends, moi j'ai dit mal. Ah ouais? Non, comment t'as fait? J'ai appuyé. Attends, je pourrais faire le dernier. Oh. J'y arrive. Oh. Allez, on va. C'est bon, je vais te surveiller. Mec, il a juste arrêté pour me surveiller. Ok, on est good là. T'as bien mélangé? Ouais. Est-ce que c'est mélangé? Regardez, tu vois ça beau? Vérification du mélangement. Ouh, c'est très bien mélangé. Merci, madame. Ensuite. On met une dose de borax. Dans chaque bol. Qu'est-ce qui est marqué? Une dose de borax et par magie, ça va se décoller du borax. Comment ça? Ah ouais? Sérieux, ça va devenir. Eh bien, on va voir. Comment c'est possible? On va mélanger chacun notre bol avant de mettre. Avant quoi? Ah putain! Oh non! C'est énorme! Carrément! Là, on est au taquet là. Carrément. C'est de la magie! C'est la colle qui est en train de. Ah ouais! Je suis en train de coller. Du coup, faut aller chercher avec les doigts là, je crois. Ouais, après, mais bon, on va s'en foutre partout. Hein. C'est dégueulasse. Ah, moi, j'ai pas envie de foutre les doigts. Je peux le prendre à la main? Ouais, c'est cool. Oh non! Par contre, c'est normal de prendre les doigts. Et ouais, moi aussi, je l'ai pris les doigts. C'est pas normal, je crois. Hein. Je pense pas. Hein. Ouais? Ça m'en a plein les doigts, elle. Au début, ouais, mais après, au moins. Wouh! Arrête, non, 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 non
Ok, on met des paillettes. Attends, mais c'est... Franchement, ça a vendu rêve, je trouve ça énorme. Par contre, je pense qu'on a salopé quelque chose, hein. On a trop de mousse à raser ou quoi. Ouais, je pense. Non, regarde. Petit à petit, Tanguy fait son nid. Ouais, je trouve ça énorme. C'est quand même incroyable. C'est énorme. Genre, on a des gosses, c'est sûr qu'on leur fait faire ça. Pour passer une après-midi. Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du slime. Vous avez passé avec dessus. Vous adorez le slime. C'est une molécule de slime, ça rajeunit. Vous ne savez pas? Non. Les vrais savent. Ah oui. Bon, maintenant, pour le faire, le licorne, on va devoir le mélanger. Je sais pas, tu vas le faire, ça se voit trop. Mais oui. Attends, mais regarde la notice. Mais la notice, tu mélanges comme tu veux et en fait, il faut le mélanger, mais pas trop le saloper. Est-ce qu'on y mettrait pas un peu des. Mais grave. Des petites paillettes. Moi, j'aimerais bien mettre ça. Non, mais pas trop. Okay. Comment tu vas mélanger? Tu vas tout saloper. Mais là, non, t'inquiète. Mais non. Mais non. Non, s'il te plaît, biche. Tu as vu ce que j'ai fait? Tu as mis plein de trucs dessus. Et maintenant, il faut, tu vois. Et en fait, eux, ils montraient que pour faire le. C'est énorme. Mais ouais, tu vois, tu fais comme ça. Là, par contre, on va garder ce date. Attends, moi, je vais l'étaler partout. Oh non! Mais attends, mais là, tu vas, il va tout avoir la même couleur. Mais non, regarde! C'est vrai qu'eux, ils faisaient des filaments comme ça. Oh, on dirait de la guimauve, c'est énorme. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Ouais. Vous voyez que toi qui fais, je suis bien jalouse. Que... Non mais les vidéos slime, ça se fait seul parce que sinon je vous jure. C'est mon slime. Bon, et ben c'est un slime réussi. Ouais, il est vraiment super sympa. Bon, ensuite on passe au dernier slime. Parce qu'en plus je voyais pas cette vidéo dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le slime. Pour ce tuto, vous aurez besoin de code transparente. De Bromax. De calme, enfin bref, de déco quoi. Voilà. Voilà. C'est tout. On ajoute 1 à 2 cuillères d'eau pour donner de la souplesse. Là. Nous avons de l'eau. Nous avons des cuillères. Donc. Nous avons des cuillères. Répartis les 100 ml de colle de façon égale dans les 3 récipients différents. C'est mon tour cette fois. Pourquoi est-ce qu'on le fait dans 3 récipients? Ah ouais, pour en avoir 3 avec des. Des paillettes différentes, non? Oh, attends, c'est vraiment pas de ma faute. Mon dieu, la Noémie, elle a. Mais t'as vu que c'est pas de ma faute ou pas? Mon dieu, Noémie, elle en fout de partout. Là, mais t'es insupportable. Mais il faut pas laisser ça, moi. Ah non, attends, moi je vais foutre le doigt dedans. Mais on le foutra plus tard, quoi. Attention. Et ouais, mais là, on va avoir de la colle de partout, c'est dégueulasse. Oh là là, mais il en reste. Mais parce que je suis pas minutieuse, Tanguy. Regarde, il y en a partout. Ajoute 1 à 2 cuillères d'eau pour donner de la souplesse à la colle. Allez. Mélange afin d'obtenir une texture homogène. Et c'est tuto. Merci beaucoup, la petite épicerie, c'est génial. J'en ai plein les doigts. Ok, donc faut mélanger avec l'eau. Ah bon? Ouais, c'est pour d'abord donner de la... Ouais, pour donner de la souplesse à la colle, trop du cul. Par contre, nous, on sait pas faire ça proprement, c'est-à-dire qu'on a partout, il y a du bord de partout. C'est la cata. Ensuite, et quand est-ce qu'on rajoute le bois? Ah oui, oh, à la fin. À la fin, malheureusement. Ok, donc... Oh non. Ah non, c'est bon. Je crois que c'est des paillettes. Là, il y avait ça. Celle-là, elles sont bien. Ça, c'est des belles paillettes. Ça, c'est de la belle paillette. Ah ouais, et, regarde, là, et je crois que je peux mixer les deux, là. Tu peux tout mixer, tu peux faire ce que tu veux. Alors attendez. Il est trop déchaîné. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut mettre. Mélange répartir les billes. Mais les tranches de pommes. Moi je vais faire celui-ci. Ok. Je peux faire celui-ci? Ouais. Oui, tu peux faire celui-ci. Et je peux rajouter lui, c'est pareil, c'est des cannes. Mais c'est un plus petit truc, tu vois. On fait comme on a envie. En fait, le principe du slime, je pense, c'est vous faites ce que vous voulez. Après, il faut mélanger. On peut faire ce qu'on veut, on peut rajouter. En fait, tu fais ce que tu veux, ouais. Mais bon, ça sera plus. Parce que là, c'est le slime, le Wonderful. Le Wonderful. Slime. Mais... Donc plus il sera plus et plus il sera wonderful. Mais ouais, mais moi ça fait pas trop wonderful du coup. Bah si, tu vas rajouter des petites paillettes. Ouais, je fais des paillettes. Grave. Fais pas ça avec tes dents, on les reste. Je ne fais jamais ça. Hein. De fait, c'est ceci réalisé par une Noémie Cascadeuse. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ajoute une dose de borax dans une première mixture et mélange afin que de notre côté une dose de 5 minutes suffit pour quelques gouttes supplémentaires. Je comprends pas. De notre côté. Ajoute une dose de borax dans une première mixture et mélange afin que la magie opère. De notre côté, une dosette de 5 minutes a suffi, plus quelques gouttes supplémentaires. Tu peux désormais saisir la pâte et malaxer avec tes mains. D'accord, donc elle en fait... Elle doit être gluante, celle-ci. Sinon, il faudra remettre quelques gouttes de borax. Vous voulez boraxer? Oui! Borax! Oui! Tu Voilà. Oh, ça fait moins vite, je trouve. Ah non? T'as pas l'air ravi celui-là. Je sais pas, il est tout chelou. Il est tout blanc lui. Enfin, moi j'ai de la colle de partout. Hein. C'est parce que tu fais n'importe quoi. Suis-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Suis-toi trop. Moi il pèse aussi, regarde. On en a pas assez.
Qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute? Je ne sais pas. Moi non plus, je suis perturbée là. Regardez. Il colle vachement. Mais regarde! Il est vite Instagram que tu sors en merde! Oh! Il est pas super bronzé, on fout le celui-ci. Oh, quoique, regardez, il est bien. Non, mais c'est qu'il est moins beau quoi. On vous dit à bientôt. On vous retrouve pour un prochain truc. On ne sait pas. Mais on se foire là. Et on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à bientôt. Bientôt. Ciao, ciao.